se retrouve pour ma première vidéo sur YouTube. Je m'appelle Inoxtag, on va faire du PVP. Il y aura que du Minecraft sur ma chaîne. Et j'ai toujours cru. Cette fois, on allait changer tout YouTube comme ça, toi. Ouais, on va changer le YouTube game. Et qui sait, on va peut-être devenir des légendes parce qu'on... Et puis, vous aussi, vous avez commencé à y croire. Oh là là, le pro player! Oh, un petit don. Merci à toi, mon ami. Je regarde la somme après. Il m'a envoyé 400 euros! Il m'a envoyé 400 euros! Et le rêve a pu devenir réalité. Vous êtes les boss. Merci pour tout. C'est grâce à vous. Et j'espère qu'on va continuer comme ça. Peace. Ciao. Mes ambitions ont grandi. Le goal ultime, c'est qu'on se souvienne de moi quand je partirai. C'est tout. C'est tout. Vous savez pourquoi faut accomplir les objectifs? Vous savez pourquoi faut rêver? Même si t'as pas... Si on n'atteint pas le rêve maintenant, on l'atteindra peut-être un jour. Je m'en fous, mais je préfère rêver maintenant pour rêver que ça arrive. Et si ça arrive, tant mieux. Si ça arrive pas, on aura une autre année pour le faire. On reviendra fort. J'ai appris à dépasser mes limites en réalisant mon premier court-métrage. En me transformant physiquement. Les gars, en 2 mois, le fruit de mon travail, Idriss. Et en me lançant des défis. Des défis sportifs, ou bien même des pures dingueries. Mais c'était pas toujours simple. Mais je suis resté en vie, les gars. Ce jour-là, j'ai rien foutu. Ce jour-là, j'ai rien foutu. Ce jour-là, j'ai rien foutu. Ce jour-là... Et il y a un an, je me suis lancé le plus grand défi de ma vie. Le toit du monde. 8800 mètres à gravir. J'ai donc commencé à m'entraîner. Et on peut dire que j'en ai bavé. Je fais un pas, j'ai l'impression que j'en fais 10. J'ai mon sac, il me... tue le dos et franchement, je suis au bout de mes capacités là. Il va falloir puiser là-haut là. J'ai le cœur qui bat à 100 000. J'ai que la moitié, mon ref. Quoi? On a la moitié. Je suis mort. Gros, c'est pas de mon niveau, frère. Mais c'est aussi durant cette année d'entraînement que j'ai pu réaliser les meilleures vidéos de ma chaîne. En allant de la trilogie des 48 heures. Un loup-garou dans un vrai village. Merci à vous de m'avoir aidé pour faire ce concept et on est très content. Sans oublier la vidéo du dernier survivant. Avec les gassures. Venez. Parce qu'eux aussi sont là depuis le début. C'est moi. Des prises de risque avec des concepts inspirés tout droit de jeux vidéo. Contrôlez-moi. J'ai rien fait. Pourquoi j'ai ce boulot de merde? Et pour finir, la plus grosse vidéo de ma chaîne. 48 heures pour sortir des backrooms. C'est fou. Incroyable. On est dans la merde. Les gars, on est dedans, Billy, on est dedans. Et tout ça, c'est grâce à vous. À l'heure où je lance cette vidéo, il y a un an, j'ai annoncé que je voulais monter l'Everest. Et je pars demain. Je pars demain monter l'Everest. Ça passe trop vite. Ça passe beaucoup trop vite. Donc c'est vrai que j'ai pas l'occasion de faire des vidéos comme ça. Et aujourd'hui j'en profite. Voilà, cette vidéo c'est un peu pour vous, c'est un peu mon petit journal de bord. C'est un peu mon journal intime avant de partir. Tout ce que j'ai envie de dire, je vais le dire dans cette vidéo. On a fait tellement de choses en... 10 ans maintenant, ça fait 10 ans que je suis sur YouTube. J'arrive même pas à me rendre compte. Et je sens qu'on a tellement évolué. Je pense que j'ai changé, j'ai beaucoup changé, j'ai beaucoup appris cette année. J'ai découvert plein de facettes de moi, j'ai dépassé encore une fois mes limites. Ça fait bizarre parce que je sens qu'on grandit tous. Je sens que je grandis, je sens que je change, tu vois. Je sens qu'on change. Il y a un an, j'ai annoncé que je voulais monter l'Everest. Bah demain, je pars pour monter l'Everest. Voilà. Après un an d'entraînement, après un an d'acharnement, de dépassement de soi, je pars enfin. C'est vrai que c'est bizarre de voir une vidéo d'Inox au revoir YouTube, mais d'un côté, c'est un au revoir aujourd'hui que je vous fais, parce que je pars à l'aventure. Et avant de partir, j'ai envie de vous dire un peu tout ce que j'ai sur le cœur et qu'on regarde cette vidéo tous ensemble avant mon départ. Ce projet de l'Everest, déjà, il est fou, et c'est un rêve de zinzin. Est-ce que c'est un rêve trop grand? Je sais pas, mais je me suis jamais interdit de rêver grand, les amis. Je me suis toujours dit, autant rêver grand, autant rêver impossible. Parce que si jamais j'échoue,
au moins j'aurais appris. Et l'apprentissage, ça fait partie quand même d'une raison de vivre, je pense. Je vais pas vous mentir, les amis, je pars demain. Et j'ai un peu peur. Ouais, j'ai un peu peur. J'ai peur, quoi. Mec, c'est bizarre à dire, en fait. Ça fait flipper. Je pars vers l'inconnu. J'y pense beaucoup ces derniers temps. J'ai dû faire 15 rêves de ça. Je fais que y penser. Ça sort pas de ma tête. Y a pas un jour dans l'année où j'ai pas entendu parler de ça. Y a pas un jour de l'année où j'ai pas pensé à l'Everest. Y a pas un jour de l'année où on m'en a pas parlé. Y a pas un jour de l'année où l'Everest est sorti de ma tête. Et les gens, ils me demandent si je suis prêt, tu vois. C'est bon, ça fait un an. Est-ce que t'es prêt? C'est peut-être ce que vous vous dites derrière la vidéo. Est-ce que t'es prêt, tu vois? Les gens dans la rue, t'es prêt? Je sais pas quoi répondre, les frères. Je sais pas quoi répondre. Ce qui est sûr, les gars, c'est que j'ai fait mon maximum. J'ai tout donné cette année. 365 jours. Sur les 365 jours, j'ai dû faire 300 jours de sport. Donc ma vie était rythmée par le sport. J'ai monté plus d'une quinzaine de montagnes. J'ai essayé de me donner toutes les chances. J'ai essayé de découvrir ce que c'était la montagne aussi. Et je me suis entouré de gens qui m'ont appris ce que c'était la montagne. C'est pas juste des entraînements, c'est aussi une philosophie. J'ai pu prendre du recul sur plein de choses. J'ai une équipe de cracks qui m'accompagne. Des Népalais, des Sherpas. D'ailleurs, je les ai sur Insta, c'est mes potes maintenant. On a tout fait pour être le plus vigilant possible. Et on va l'être. On va être vigilant et jusqu'à maintenant, on l'a été. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas pour l'Everest. Faut respecter la montagne, faut apprendre à la connaître, faut écouter la montagne. S'il y a des signes qui te montrent qu'il faut faire attention, il faut pas forcer. C'est pour ça que tous ces entraînements, ça m'a permis aussi de me connaître moi-même et aussi de connaître l'environnement dans lequel je me trouve. C'est-à-dire, je sais faire mes nœuds, je sais faire mes crampons, je sais m'attacher avec la jumarre, je sais faire les choses. Je fais encourir moins de danger à mon équipe parce que je suis autonome. Et encore une fois, les amis, j'arriverai à être lucide. À pas être une tête brûlée, je pousserai pas le bouchon trop loin si je vois que c'est pas possible. Voilà. Ne vous inquiétez pas. J'aime les gens avec qui je vais partir faire cette aventure. Et j'ai confiance en eux, c'est important. Et on va la monter tous ensemble, cette montagne. Ça me fait bizarre, les gars, de vous parler comme ça, mais j'ai envie quand même de parler sérieusement parce que bah, c'est pas anodin, tu vois. Je tiens à remercier tous mes proches qui me soutiennent depuis le début. Du début jusqu'à maintenant, ils m'ont toujours soutenu, que ce soit ma famille, mes équipes qui travaillent avec moi sur le projet, mes potes. Et pour ça, je vous remercie parce que vous comprenez. Vous comprenez... vous me comprenez tout simplement, voilà. Vous me comprenez. Je sais pas comment expliquer ça, les gars, mais je pense qu'ils le comprennent. Et je vous remercie aussi parce qu'au vu des entraînements de cette année, j'ai dû diminuer grandement le rythme des vidéos et vous avez toujours été là. Même si je sortais moins de vidéos, vous avez été là pour me soutenir, gentiment en fait. Vous le faites avec le cœur. Et c'est une aventure qu'on a fait tous ensemble. On l'a fait tous ensemble parce que vous m'avez accompagné, de près ou de loin. Et là où je penserai à vous tous qui croient en moi, un pas après l'autre, chaque pas, comme les Genki Dama de Sangoku. Je vais tout capter, toute votre énergie, je la capte, les amis. La phrase « Bonne chance pour l'Everest », je l'ai entendue tellement de fois. Et je suis fier de ce qu'on a réussi à faire malgré tous les entraînements. Et je tiens aussi à remercier une marque, les amis, qui m'ont soutenu à chaque fois, dans chaque projet, c'est R.E.P. Voilà, tout simplement, les amis, ils sont toujours là. Ils ont toujours cru en moi quand je suis venu leur proposer des projets un peu fous comme les 48 heures. Ils nous ont accompagnés sur tous les épisodes. Et ça, je les remercie infiniment. Et ils sont aussi là sur le plus gros défi de ma vie, l'Everest. Ils étaient les premiers à dire on accompagne, on aime cet esprit de dépassement de soi, on est là, on sera avec toi pour ce projet aussi. Donc merci R.E.P. Merci du fond du cœur à cette marque qui croit en moi. En tout cas, sachez qu'il y a plein de bonnes choses qui se préparent avec R.E.P. Bon. On vous en a pas encore parlé, mais on vous en parlera en temps voulu après l'Everest. Pour tous ceux que ça intéresse, il y a le lien du site en description. Ça fait plaisir. Merci à eux de soutenir. Voilà, demain, je pars pour une expédition qui va durer entre un mois et demi et deux mois, les amis. Et qui dit expédition en montagne, dit que c'est terrible à dire, mais il y a des risques. En montagne, il y a des risques. Toute l'année, durant tous mes entraînements, j'ai pris des risques avec Matisse. Que ce soit quand on a escaladé le Cervin, quand on a fait le Mont Blanc, quand on a fait des courses d'arrêt dans les Alpes, à chaque fois, j'ai pris des risques. Voilà. Faut garder en tête qu'il y a un facteur risque qui est incontrôlable. Ça peut être un phénomène météorologique qui m'empêche de faire l'ascension. Une tempête, voilà, on peut pas faire le sommet. Je me suis entraîné un an pour au final rentrer. C'est possible. Il y a aussi le facteur risque où je peux tomber malade. Tout est décuplé en altitude. Le temps pour se rétablir aussi. Donc si je tombe malade, bah t'as des chances de pouvoir te rétablir là-bas, avec du repos. T'as le temps, normalement j'ai un mois et demi, c'est fait pour m'acclimater, pour prendre mon temps. Mais si tu tombes grièvement malade, et bah ça peut t'empêcher de faire l'ascension. Donc ça c'est un autre risque. Y a beaucoup d'accidents en montagne, que ce soit des avalanches, des chutes de sérac, des crevasses.
Donc ça, c'est pas inévitable. À l'Everest, il y a un passage qui s'appelle l'Icefall. C'est tout un passage où tu marches sur des échelles pour passer de crevasse en crevasse parce que t'es sur le glacier. Tout est en mouvement là-bas dans l'Icefall. Donc le but, c'est d'y passer le moins de temps possible. Si t'as pas de chance, bah t'as un serac qui tombe dessus et tu reviens pas. Donc ça, c'est un risque que j'ai décidé de prendre. Voilà, c'est comme toutes les aventures que j'ai fait dans les Alpes avec Matisse cette année. Pendant le Cervin, je sais pas si vous avez vu la vidéo, ma corde est reliée à celle de Matisse. Si Matisse tombe, je tombe. Si je tombe, Matisse tombe. Donc si Matisse tombe et meurt, je meurs aussi. Si moi je tombe et que je fais tomber Matisse dans ma chute, Matisse meurt aussi. Donc les risques qu'on a pris en faisant le Cervin ou d'autres montagnes ou d'autres courses d'arêtes dans les Alpes, ils sont aussi grands que quand je vais aller à l'Everest. On sait jamais ce qui peut arriver, les amis, et ce facteur, il existe. Voilà, je vais pas vous mentir, ça existe, c'est possible. Il est minime, mais il existe. Ça peut aller d'un problème météo qui m'empêche de monter, ou ça peut aller d'un accident grave qui m'empêche de revenir. Que ça soit moi ou un membre de mon équipe. Et ça, on est tous au courant. Sachez que les gars, moi, si je devais juste vous léguer quelque chose de ma chaîne YouTube, un jour, que ça soit maintenant, ou que ça soit un jour où quand je partirai de YouTube, c'est... voilà. Croyez en vous. Si vous croyez que vous pouvez faire quelque chose, faites-le. N'écoutez pas les gens. Essayez de devenir meilleur. Essayez d'apprendre. Si jamais vous échouez, c'est pas grave, vous avez appris. Vivez à fond. Et vivez pas à travers quelqu'un. Développez-vous des passions, apprenez. Lancez-vous des challenges, des défis. Allez dehors, allez découvrir des choses. Testez. S'il y a quelque chose que je dois vous transmettre, c'est ça. J'ai envie que toi aussi, tu sortes, que tu fasses des choses. Et pas juste, tu regardes quelqu'un faire, tu vois. J'ai envie que toi aussi, tu deviennes celui que t'as envie d'être. Moi, j'ai le droit de rêver et j'ai envie que toi aussi, t'aies le droit de rêver. Et que t'aies le droit de croire en tes rêves. Et je pense que ce projet, il est fait aussi pour ça. Je pense que c'est l'essence même du projet. C'est pour ça que demain, quand je vais partir au Népal et que je vais devoir monter l'Everest, je vais pas le monter tout seul. On va le monter ensemble, les frères. C'est pour ça que je vous emmène là-haut. Je vais vous emmener là-haut, avec moi. Et chaque pas, je penserai à tout ce qu'on a fait. Et je sais que... il y a beaucoup de gens qui croient en moi. Et c'est pour ça que je vais tout donner. Je vais tout donner, les gars. C'est pour ça que je vais tout donner. Et je monte pas l'Everest. On monte l'Everest. Tous ensemble. Comme on l'a toujours fait. Sachez, les amis, que j'arriverai en haut. Si la montagne m'y autorise. Mais moi, j'abandonnerai pas. Ma volonté ne me fera pas arrêter. Vous connaissez votre gars, je vais pas lâcher, frère. Je lâche rien. On va rien lâcher. Et on va arriver en haut. On va le faire, les frères. On va le faire. J'ai pas le choix de le faire. J'ai pas le choix de le faire. Je vais tout donner. Donc voilà, les amis. J'ai dit tout ce que j'avais sur le cœur, tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant, il est temps de partir à l'aventure. À partir de maintenant, je me déconnecte pour vivre l'aventure à 100%. Il y aura plus de story Insta, il y aura plus de vidéos pendant quelques temps. Vous verrez plus ma tête et je reviendrai pas avant d'avoir réussi mon but. Et je pense que je reviendrai changer de cette aventure. Voilà, c'était Inès qui vous parlait. Croyez en vous, croyez en vos rêves. Moi, Joey. Ciao. Ce moment depuis tellement longtemps, frère. Frérot, on va monter ça là. Eh là. Frérot, on va monter ça.